Le cycle de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. L'eau, sous forme de vapeur, monte dans le ciel et forme des nuages. Le vent pousse les nuages. Les nuages arrivent au-dessus de la terre. La vapeur d'eau se refroidit et change d'état. Elle redevient liquide et elle tombe en pluie. Ou s'il fait très froid, elle devient solide et tombe en neige ou en glace. L'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques, ces grandes réserves d'eau souterraines. L'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves. Ainsi, l'eau retourne dans les mers. Le cycle est complet.